Bonjour à tous et bienvenue dans ce flash d'information. Coup d'État au Burkina Faso, Paul-Henri Sandaogo Damiba a été contraint de démissionner hier, dimanche 2 octobre, dans la soirée. Il se réfugie désormais à Lomé, au Togo. Bousculade meurtrière en Indonésie, une bousculade a fait 174 morts et 323 blessés le samedi 1er octobre dernier lors d'une rencontre de championnat opposant Arema FC à Persebaya Surabaya au stade de Malang. Poursuivant en Russie, menace nucléaire, le président américain Joe Biden a répondu directement aux menaces du recours au nucléaire ressassées par son homologue russe Vladimir Poutine. Nous sommes prêts, a déclaré le président américain. Conflit en Ukraine, le souverain pontife souhaite la fin du conflit le plus tôt. Ce dimanche 2 octobre, il a plaidé en ce sens auprès du dirigeant russe Vladimir Poutine. Et pour finir, décès de Mahsa Amini en France. Des femmes ont manifesté hier dimanche 2 octobre à Paris en soutien aux manifestants iraniens à l'accus de Mahsa Amini, décédée peu après son arrestation par la police des mœurs le 16 septembre 2022. Ainsi prend fin ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Radio 12.